Dans le nord du Tibet, à une altitude moyenne de 5000 mètres, se trouve la plus haute lande du monde. Pour les antilopes du Tibet, maîtres du plateau, le plateau Tsinghai Tibet, dont l'altitude dépasse 4000 mètres, est leur seul habitat. Sur cette vaste terre, au plus près du ciel, la teneur en oxygène n'est que de la moitié de celle du reste du pays. Les traces des hommes n'apparaissent que sur les frontières de cette terre sauvage. Il existe cependant 21 sortes de mammifères et 65 sortes d'oiseaux. La mort est toujours accompagnée de la naissance, comme la cruauté est doublée par la tendresse. Les plus belles fleurs s'épanouissent dans la terre la plus rigoureuse. La vie tenace reste dynamique sur la terre où l'air se raréfie. Là, des scènes émouvantes pètent tous les jours. Voilà le plateau du Tibet du Nord, paradis des animaux sauvages. Fatiguées, les antilopes femelles peuvent s'y reposer un instant. Alors, elles sont déjà en gestation depuis 10 mois et sur le point de mettre bas. Néanmoins, ce n'est pas le sanctuaire qui peut garantir leur sécurité. En suivant les pas des migrants, les prédateurs y arrivent également. L'ours du Tibet est le plus grand prédateur du Tsinghai Tibet. Il est un opportuniste pantagruélique qui ne manque jamais une occasion de manger. L'ours du Tibet attend l'occasion là où l'antilope femelle va mettre bas. Dans la prairie à perte de vue, les femelles en couche se donnent beaucoup de peine pour cacher leurs rejetons. Sur le plateau, le temps est en constante évolution. Une petite antilope voit le jour sous la pluie. La lande est tellement plate qu'il est difficile de se cacher. La petite antilope se blottit spontanément sur la pelouse pour échapper à son prédateur. Mais la menace existe toujours. La mère va s'éloigner du nouveau-né de crainte que celui-ci ne soit découvert. Dès la naissance,
La petite antilope est obligée de relever seule le défi de l'existence. Elle doit apprendre à rester debout et marcher une demi-heure. Ainsi, elle pourra retrouver sa mère et rejoindre le troupeau. Sinon, elle deviendra un régal pour le prédateur. La petite antilope qui vient de faire ses premiers pas va se lancer dans un voyage de 500 km avec sa mère pour rentrer à la maison. Le sud-ouest de la Chine est une importante région productrice de thé et de caoutchouc. Les Dai, qui vivent dans la montagne, sont adroits de leurs mains. Ils décorent l'environnement avec le brocart de génération en génération. Ils reflètent les plus beaux paysages et les animaux les plus familiers sur le brocart. Un animal en danger de grande taille, souvent sur le brocart. Il s'agit de l'éléphant d'Asie. Avec leur grande taille, les éléphants d'Asie pèsent 5 tonnes. Ils vivent dans la forêt vierge et mangent une quantité considérable de nourriture, soit entre 30 et 60 kilos par jour. En général, les éléphants sauvages vivent en famille et une dizaine d'éléphants vont former un troupeau. Ils ont besoin d'une grande superficie pour se reposer. Cependant, la forêt tropicale humide occupe une superficie de moins en moins grande. Les éléphants prennent ainsi le risque de franchir la limite de la forêt pour entrer dans le domaine des hommes. Les bananes et les cannes à sucre ont beaucoup d'attrait à leurs yeux. Aujourd'hui, les champs et les jardins de thé s'élargissent dans la montagne et s'étendent jusqu'à l'ancienne forêt. Les plantes cultivées par l'homme sont en train de grignoter le fief des éléphants d'Asie. Ceux-ci risquent de perdre leur lieu de repos et de perdre la source de leur nourriture. Ils sont obligés de s'approcher du foyer de l'homme
du fait de la réduction de l'existence. Les éléphants d'Asie sauvage sont agressifs et il est dangereux de les approcher. Il y a de temps en temps des nouvelles qu'un éléphant sauvage a blessé un homme. Les conflits entre les éléphants sauvages et les hommes sont de plus en plus nombreux. Et les deux doivent être protégés. Li Deming, garde forestier, est en charge de surveiller les traces sauvages. Tous les jours, il entre dans la forêt profonde, cherche des éléphants sauvages et prévient les villageois des environs, des endroits d'où les troupeaux d'éléphants pourraient apparaître, de crainte que ceux-ci ne blessent les hommes. Pour avoir assez de nourriture, les éléphants d'Asie doivent marcher 30 km par jour sur un chemin incertain. Pour maîtriser la situation des éléphants, Li Deming doit les chercher par monts et par veaux. Malgré leur grande taille, cachés dans la forêt, il n'est point facile de trouver leurs traces. De production pénible, la force de la nature, montrer une Chine de beauté qu'on n'a jamais vue. Li Deming seul connaît le secret de la surveillance des éléphants sauvages. Les éléphants sauvages aiment l'eau. Les courants d'eau sont leur terrain de jeu. Maintenant, ils jouissent d'un moment de loisir. Par rapport à cet être le plus grand du continent, l'homme est à la fois petit et fragile, mais fort et tenace. Nous pouvons transformer les monts et les rivières, mais nous devons aussi souffrir des résultats néfastes de l'exploitation excessive. Aujourd'hui, comme Li Deming, les habitants locaux sont en train d'apprendre à s'entendre avec ces grands animaux et à partager le don de la nature avec eux.
En été, les picas à lèvres noires se mettent à réparer leur terrier. Sous une couche épaisse d'herbe, chaque famille de picas creuse un système de terrier très compliqué. Les picas à lèvres noires sont l'espèce la plus nombreuse sur le toit du monde et ont une reproductivité frappante. L'été est leur période de reproduction. Au cours de cette période, une femelle peut mettre bas deux fois et donner naissance à une dizaine de petits. Ils représentent la gaieté de la prairie. Le chat de Pallas, félin mystérieux, est rare. D'en haut, il cherche sa proie. Avec une patience infinie et une adresse incomparable, le chat de Pallas est le vrai tueur en série du plateau. Bien qu'il ait une taille aussi grande que celle d'un chat domestique. Sur le toit du monde, la ténacité de la vie et la dureté de l'environnement constituent un équilibre merveilleux. Là se passe à tout moment la destruction et la renaissance. La puissance de la nature est inestimable. Le loup est le grand maître, au sommet de la chaîne alimentaire. Le yak sauvage est le plus grand animal du plateau. Les loups se mettent à attaquer.
Les yaks menacés se rassemblent vite pour protéger leurs petits. Les yaks sauvages majeurs, qui pèsent 500 kg, sont 10 fois plus grands que les loups. Les nouveau-nés sont la cible privilégiée des loups. C'est un combat de vie ou de mort. Ce yak femelle a perdu son seul enfant et ne veut pas quitter cet endroit. Le vent de la vallée répand l'information de la mort. Les animaux nécrophages suivent les pas des prédateurs. C'est le corbeau bruyant qui arrive le premier. Puis c'est au tour du vautour, silencieux. C'est un régal rare pour eux. Sur le plateau morne, tous les aliments se transformeront en énergie et aucune nourriture ne sera gaspillée. Le plateau du Tsingrai Tibet est saturé de tentations et de risques. C'est un domaine inconnu et mystérieux. Depuis l'Antiquité, les animaux sauvages y vivent et évoluent. Et ils s'adaptent parfaitement à l'environnement rigoureux du plateau. Sur la terre éternelle, se transmet toujours la vie. La petite antilope tète le lait nutritif
et absorbe ainsi l'énergie que sa mère tire de la Terre. Sans autre choix, ces nouveaux-nés fragiles restent collés aux antilopes adultes, en migration, qui parcourront des centaines de kilomètres. C'est la migration dont l'altitude est la plus élevée du monde. C'est un voyage magnifique. Tous les ans, plus de 100 000 antilopes du Tibet traversent le plateau du Tibet du Nord. C'est un chemin de vie et de mort. Plus de la moitié des petites antilopes seront éliminées par la nature. Ce sont les plus fortes seulement qui pourront rentrer au pays natal. Telle est la règle inéluctable et la force de la nature.